Bonjour et merci à Karim pour cette bref exposé sur l'histoire des mathématiques. Alors, j'adopterai un point de vue un peu plus moderne, mais il y aurait quelques trucs qui vaudraient la peine d'être dit, peut-être d'un point de vue historique avant que je commence à exposer. D'abord, en fait, sur le fait que les langues et même les cultures ont une grande importance dans la manière dont on comprend les mathématiques et dont on les apprend. Et un exemple particulier de ça, en fait, c'est les mathématiques égyptiennes. Et la raison pourquoi, c'est simplement parce qu'en fait, les Égyptiens, c'était un peuple d'ingénieurs. Et donc, en fait, ils avaient vraiment des besoins pratiques. Donc, je vais juste donner un exemple d'anecdote, si vous voulez, par rapport à l'histoire des mathématiques, et c'est la manière dont les Égyptiens notent les fractions. Et en fait, c'est que en égyptien ancien, il n'y avait pas la notion de point décimal. Donc, en fait, il fallait écrire, par exemple, 1 et demi, ou 1 et 1 tiers, ou quelque chose comme ça. Et en revanche, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas non plus la notion d'une fraction qui n'est pas 1 sur quelque chose. Donc, ils n'avaient pas la notion de, par exemple, 3 septièmes. Ça n'existe pas. Et donc, en fait, comment ils font pour exprimer la quantité 3 septièmes? C'est qu'il faut arriver à exprimer 3 septièmes en termes de 1 sur quelque chose, une somme de 1 sur quelque chose. C'est très particulier parce que, du coup, ça force une gymnastique mentale assez conséquente. Mais la raison, en fait, elle est très naturelle et c'est que c'est vraiment la notation correcte pour un peuple d'ingénieurs. Donc, par exemple, si vous avez à nourrir une population et que vous avez 3 gâteaux, mais vous devez nourrir les 7 personnes, bah, en combien de parties est-ce qu'il faut que je coupe chaque gâteau, en sachant que c'est une perte d'énergie que de découper tous les gâteaux à la place de juste découper un gâteau en plusieurs parties et donner les proportions qui correspondent à chacun. C'est cette vision pratique des choses influe la manière dont la notation a été conçue, de telle sorte à ce que ça soit facile, mais aussi influe la manière juste de penser les mathématiques et la manière dont elles sont enseignées. C'était la seule anecdote que je voulais vous raconter. Il faut arriver à écrire 3 septièmes comme une somme de 1 sur quelque chose. Donc c'est par exemple, là il faut trouver. Exercice à trouver. Drôle d'histoire aussi, c'est que justement, c'est pas une question qui est a priori triviale. Est-ce qu'il est possible de toujours faire ça? C'est une question mathématique et donc en fait, ça requiert une preuve a priori. Mais ce qui est marrant, c'est que les Égyptiens ne prouvent jamais ça. Ils font juste l'écrire. Aussi, en fait, dans cette même direction, il y a encore un problème ouvert qui a été proposé par Paul Erdős, justement sur la notation égyptienne des mathématiques. Et en fait, ça concerne une modification de la notation égyptienne. Et la question, justement, porte sur l'existence de l'écriture d'une certaine fraction, comme somme de 3 trucs. C'est un peu particulier, mais bon, c'est pour dire que, en fait, ce genre de notation donne lieu à des questions assez intéressantes aussi, dont certaines sont encore ouvertes aujourd'hui. Donc, je vous conseille très fortement d'aller chercher sur Internet les fractions égyptiennes plus tard. Mais je n'ai pas adopté, malheureusement, un point de vue historique dans cette présentation. Alors, la première chose dont je souhaite parler, c'est peut-être juste le fait que quand on apprend des mathématiques modernes, donc à l'école, on a des notations qui peuvent varier de manière assez significative parfois. Ici, j'ai mis quelques exemples un peu communs. Donc, par exemple, la manière dont on note un intervalle ouvert diffère. Par exemple, si on parle en anglais, on va noter ça avec des parenthèses. Si on fait ça en français, on note ça avec des crochets ouvert et fermé pour indiquer qu'on inclut ou pas le A et le B. Et en espagnol, en fait, il se trouve qu'on utilise les 3 notations dépendamment du pays où vous vous trouvez. Si vous voulez, moi, je préfère la notation française parce que c'est clair qu'on est en train d'exclure le A et le B. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop d'où vient cette notation avec les brackets comme ça, mais, euh,
Mais bon, j'ai appris ça en faisant cet exposé, donc c'était assez particulier. Aussi, donc pour revenir à la notation trigonométrique, donc la manière dont on note sinus, cosinus, tangente, donc comme l'a dit Karim, varie selon le pays, mais il faut même pas aller jusqu'en arabe pour trouver des différences qui parfois peuvent être un peu particulières. Donc par exemple, la manière dont on note sinus en espagnol, c'est sen, et c'est parce que sinus en espagnol c'est seno, et donc du coup, bah on va noter ça comme ça. Et pareil, donc pour les abréviations qu'on choisit, ça peut varier aussi. Donc par exemple, tangente va se noter TG à la place de tan. Il y a aussi certaines différences par rapport à, par exemple, la manière dont on va noter l'arc sinus. En anglais, on a tendance à noter ça sinus à la moins 1. Donc ce genre de notation peut être, parfois peut porter à confusion en fait, parce que, bon, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de notation, vous voyez sinus moins 1, vous pouvez penser qu'il s'agit d'un 1 sur sinus, mais non. Bon, alors c'est un exemple un peu bateau, mais quand même. En fait, aussi, les notations qu'on utilise en géométrie diffèrent de beaucoup, en fait, parfois. Donc, par exemple, la manière dont on va noter des segments, des lignes et tout ça en géométrie en français n'est pas du tout pareille que celle qu'on peut utiliser en anglais ou en espagnol, d'ailleurs. Alors, l'espagnol, c'est assez particulier parce que, bien sûr, ça dépend beaucoup du pays dans lequel vous vous trouvez. Typiquement, en Amérique latine, en gros, plus vous êtes proche des États-Unis, plus vous avez tendance à adopter la notation américaine. En gros, ça diffère un peu de pays par pays, mais globalement, on a tendance à adopter des conventions européennes. Alors, cette différence aussi peut se porter juste carrément dans la manière de compter. Alors, j'ai parlé un peu des Égyptiens avec leur notation, donc, mais ici, en fait, on parle de quelque chose d'un peu plus accessible, qui est juste la manière dont on va compter les grands chiffres. Donc, par exemple, en français, on va dire un milliard, et pas un billion. Un billion, pour quelqu'un qui parle français, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. Mais en revanche, vous allez en Amérique et vous allez pas parler de milliards d'euros, mais de billions of euros. Donc vous voyez ici en fait qu'il y a des disparités par rapport à juste la manière de compter. Donc par exemple, et en fait, ça dépend beaucoup du pays, mais globalement, il y a deux grosses tendances qu'on peut séparer, et c'est ce qu'on appelle le long count versus the short count. Et là, je vais switcher en anglais parce que sinon, je n'arriverai pas. Basically, what happens is that in English-speaking countries mostly, or English-influenced countries, you'll have basically the short scale. And by contrast, you'll have the long scale in countries which were influenced by continental Europe. And so essentially, this can actually have some confusion. This can lead to some confusion to some extent, because if you're learning a new language, for example, English, and you go to the United States, of course, it will be a little bit more difficult because it's not exactly clear whether a billion means a billion in the sense of, you know. So is it this billion or is it the other billion? And the difference is, you know, an order of magnitude, which is quite significant. Ici, j'ai mis la liste des pays où on utilise le long count versus the short count. Donc, comme vous pouvez le voir, donc en Europe continentale, on voit que clairement, ce qu'on préfère utiliser, c'est les milliards, ou les milliards, c'est 10 à la puissance 9. Tandis que dans les pays plutôt anglo-saxons, plutôt proches des anglo-saxons globalement, on a tendance plutôt à utiliser le short count. Alors, donc aussi, vous pouvez voir que dans certains pays, ils n'utilisent ni l'un ni l'autre, ce qui est assez particulier, et dans certains pays même, on utilise les deux. Alors, ça peut paraître bizarre d'utiliser les deux, mais ça peut s'expliquer. Donc, par exemple, vous remarquez sûrement que, en fait, les pays qui utilisent les deux, c'est par exemple des pays comme le Canada ou l'Afrique du Sud ou l'Antarctique. Mais bon, comme il y a trois personnes qui habitent en Antarctique, je pense qu'on peut zapper. Il suffit qu'il y en ait un qui soit américain et l'autre français, et c'est bon.
Alors, dans le cas du Canada, par contre, ça s'explique simplement par le fait qu'il y ait deux langues différentes. Et donc, du coup, la partie française a hérité des habitudes françaises de compter les milliards. Et la partie anglaise, a adopté la convention américaine, c'est-à-dire de compter en billions. Bon. Et puis aussi, l'Afrique du Sud, bien sûr, mais c'est pareil, en fait. Ils ont cette tendance de l'Europe continentale qui provient du fait que c'était une colonie néerlandaise. Et puis, bien sûr, après, il y a eu les Anglais. Donc, voilà ce qui explique le fait qu'il y ait des pays où il peut y avoir les deux systèmes. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça va dépendre de quelle langue vous parlez. Donc, voilà. Et puis, il y a des pays où on n'utilise ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est assez particulier. Mais c'est simplement que ces pays-là n'ont donc pas beaucoup été influencés par la manière de penser des Occidentaux. Donc en particulier au Japon, je sais qu'ils ont tendance à compter en 10 000. Ce qui est assez particulier si un jour vous voulez faire la gymnastique mentale d'exprimer 1 million en facteur de 10 000, mais c'est un exercice assez intéressant. Je pense qu'en Chine c'est pareil, et après je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que la norme c'est à peu près 10 000. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions ou si des gens connaissent la réponse à mes questions, parce que voilà. Oui, la Grèce est en jaune, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Mais d'après moi, c'est aussi parce qu'ils ont probablement un système qui provient d'il y a très longtemps, où ils ont tendance à compter comme ça. Alors, ce qui est marrant, en fait, c'est que le système décimal a pas mal été adopté de manière uniforme dans le monde, alors que, mais dans l'histoire, il y a déjà eu des peuples qui comptaient en base 12, par exemple. D'ailleurs, en fait, il y a une société de gens qui militent pour passer en base 12. Enfin, bref, on s'égare. Il y a vraiment des avantages, hein, parce que 12 a beaucoup de diviseurs, hein, donc très facile de diviser par... En 12. En 12, parce que, bon, 60, il y avait eu ça à l'époque des Babyloniens, en fait. Mais non, l'association actuelle milite pour la base 12. Ouais, bon, enfin bref, on pourra revenir à la base 12 après si ça vous intéresse. Il y a des raisons pour lesquelles ça peut être pratique. Et aussi, en fait, il y a juste carrément des différences énormes en termes de terminologie. Alors, en fait, dans ce cas-là, la France tend à être un cas assez particulier, et on reviendra sur les raisons de cette disparité-là versus le reste du monde un peu plus tard. Mais en fait, je vais vous donner un exemple très concret qui affecte ma vie en tant que mathématicien de tous les jours. Et c'est le fait qu'il y a une différence entre la notion de compacité en anglais versus en français. Et en français, on va considérer qu'un espace est compact s'il est séparé et que tout recouvrement par des ouverts de l'espace admet un sous-recouvrement fini. Mais en fait, en anglais, on ne requiert pas cette condition de séparation. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier sur ça veut dire quoi séparer ou pas, mais je peux très rapidement dessiner le dessin. La séparation, ou en anglais le fait qu'un espace soit Hausdorff, c'est quand vous pouvez séparer chaque deux points de l'espace. Donc pour toute paire de points, vous pouvez trouver des ouverts qui contiennent ces points qui ne s'intersectent pas. Donc voilà. Donc ça, c'est une condition sur l'espace supplémentaire qu'on requiert d'un espace compact en français, mais qu'on ne requiert pas en général dans la convention anglaise. Alors, il faut savoir qu'en français, bien sûr, on a un mot pour dire compact au sens anglais, qui est la quasi-compacité. Et donc, en fait, ça peut être assez troublant parce que parfois, certains auteurs, donc en particulier en géométrie algébrique, vous allez avoir des auteurs qui vont écrire les articles en anglais, et ils écrivent compact en sous-entendant qu'en fait, c'est un espace séparé. Mais sans le dire. C'est conventionnel dans le domaine de l'algèbre, de la géométrie algébrique, simplement parce qu'en fait, c'est un domaine où la tradition française est très forte. Et donc, en fait, c'est un peu sous-entendu que dans ce domaine-là, si on dit compact, on a tendance à dire séparé aussi. Enfin, bref.
Donc voilà, et même le mot séparé, en fait, on voit déjà qu'il y a aussi une différence parce qu'en anglais, on va avoir tendance à appeler ça Hausdorff plutôt. Et puis, il y a aussi donc, un autre exemple un peu plus pédestre, si on veut, c'est qu'en français, on va dire une quantité est positive si elle est positive ou nulle. Alors, je vous prie de ne pas regarder la circularité dans cette définition. Mais donc, on va inclure les zéros dans ce qu'on se réfère à positif. En revanche, en anglais, we say that a quantity is positive if it's strictly greater than zero. Donc, bien sûr, en anglais, il y a aussi la notion de positif où on inclut le zéro, mais alors on parle d'être non négatif. Ce qui est assez particulier, parce que ça aussi, ça peut porter à confusion, en particulier lorsque l'inégalité stricte est importante. Mais typiquement, en fait, ce n'est pas tellement un problème dans la littérature, parce que si vous voulez vraiment stresser le fait que ça soit important d'avoir une inégalité, alors bah, vous allez dire strictement. Mais en revanche, ça peut être fâcheux parfois lorsqu'on réutilise des travaux qui ont été faits par d'autres gens. Il faut garder à l'esprit qu'en fait, il y a cette différence de convention dans la notation qui peut porter à confusion. Enfin, il y a aussi la manière simplement dont on apprend les élèves à faire des calculs. Donc les méthodes algorithmiques de faire de la division euclidienne, par exemple, varient selon le pays où vous allez vous trouver. Donc en fait, ici, j'ai fait quatre exemples de notations différentes. D'ailleurs, il y en avait une que je ne connaissais pas avant de préparer cet exposé, qui était la méthode néerlandaise. Alors je ne sais pas pourquoi ils font ça comme ça, mais d'accord. Donc celle que je connaissais, c'était la méthode américaine. Donc ce que vous avez, ça peut être vraiment confus en regardant ça comme ça, mais l'idée c'est que vous avez le diviseur ici, le dividende en bas ici, et puis vous notez la réponse en haut. Mais ne demandez pas pourquoi. Et donc vous pouvez procéder avec le calcul de la manière usuelle, simplement avec cette notation un peu différente. Ce qui peut être très perturbant, enfin, si vous voulez vraiment faire de la gymnastique mentale un jour, essayez de faire le calcul avec une notation dont vous n'avez pas l'habitude, et je vous assure que ce n'est pas facile. Encore moins corriger des copies d'élèves qui utilisent une notation ou une convention différente. Donc, il y a aussi, bien sûr, la méthode qu'on connaît tous ici, qui est la méthode française. Enfin, je dirais même plutôt que c'est... En fait, ce n'est même pas Europe continentale, parce que même les Allemands utilisent une méthode différente, mais elle est assez répandue donc aussi en Espagne, et donc par extension aussi dans les pays latino-américains, c'est la convention qui est adoptée, sauf au Mexique, parce qu'ils sont proches des États-Unis, donc ils vont avoir tendance à adopter la convention américaine. Donc voilà, donc, ça c'est la méthode, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous la connaissez déjà tous. Et finalement, il y a la méthode allemande, qui est en fait, je trouve, la plus logique d'entre toutes, parce que voilà, on conserve le fait qu'on note les choses sur une ligne. Donc simplement, vous allez noter. Donc ça, c'est le dividende, le diviseur, et puis le quotient. Et puis cette notation aussi est assez répandue, donc dans les pays des Balkans, par exemple, où ils ont adopté la convention allemande. Je ne sais pas pourquoi. Probablement ils ont hérité probablement de ça, de l'Empire austro-hongrois, mais je ne sais pas, si quelqu'un veut faire une thèse sur ça, ça pourrait être assez intéressant, oui. Alors ça, c'est une bonne question. Oui, non mais alors c'est une bonne question, mais j'imagine qu'ils vont juste marquer reste 0 ou reste 1. Enfin. Enfin oui, bah déjà il y a le calcul, mais dans le résultat en fait, mais rien. Enfin je sais pas. À vrai dire, j'ai aucune idée. J'ai jamais appris la méthode allemande. Mais en revanche, j'imagine en fait que rien ne vous empêche de dire R. Quelque chose. Enfin. Et puis il y a la méthode néerlandaise. Alors celle-là, je ne sais pas comment elle marche du tout.
Non, c'est pas vrai. Enfin, je sais comment elles marchent, c'est encore une fois le même algorithme, simplement la notation est différente, mais pour le reste, j'ai aucune idée comment ils font pour noter. Je ne me posais pas la question. Mais c'est pour illustrer le fait que même d'un point de vue algorithmique, en fait, ça peut être assez perturbant d'essayer de faire les choses dans une notation qu'on ne connaît pas. Alors, c'est beaucoup moins perturbant de le faire, par exemple, avec la méthode allemande, parce que tout ce qui varie, c'est 2 points. En revanche, d'essayer de faire les choses dans la méthode américaine une première fois, c'est particulier. Et puis, mais il n'y a pas que ça, en fait, qui varie. Donc, côté notation, encore une fois, il y a, j'ai pris un exemple un peu iconique, mais en même temps un peu obscur, qui provient de la théorie des représentations. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a un bouquin très célèbre de la théorie des représentations où l'auteur dit... for the French reading this, please read this book while holding the book upside down, looking into a mirror. Et donc, du coup, en fait, c'est juste parce que bon, il y a cette notion de tableau de Jung que je ne décrirai pas ici. Bref, c'est juste une collection de boîtes, si vous voulez. Le but, c'est d'étudier les partitions d'un certain chiffre. Et donc, vous allez arranger les boîtes d'une certaine manière. Et donc les notations anglaises et françaises diffèrent du fait que c'est exactement ça. Il faut le regarder comme ça et puis dans un miroir. Donc voilà. Donc ça peut être. Enfin voilà, c'est rigolo, mais c'est juste parce que la théorie s'est développée en même temps du côté anglo-saxon et du côté français. Et après, bah, aucun des deux voulait abandonner la notation qu'ils avaient adoptée, donc on a gardé les deux. Alors. Mais aussi, ça peut aller jusqu'au nom des théorèmes qui peuvent porter à confusion. Alors, les deux premiers sont assez particuliers. Donc, d'abord, il y a le théorème de Thalès en français, ce qu'on appelle le intercept theorem en anglais. Enfin, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Mais c'est celui qui parle de rapport entre droites, segments et tout ça. Et puis il y a l'autre théorème de Thalès, donc ce qu'on connaît comme Thalès's theorem en anglais. Et là, du coup, en fait, c'est pas du tout en lien avec les droites. Ça parle du fait que si vous avez un demi-cercle, alors toute cet angle-là, c'est un angle droit. Enfin, si je dessine les choses comme il faut. En fait, ça parle pas du tout de la même chose. Pourtant, ça porte le même nom parce que, bon, hélas, Thalès a fait beaucoup de choses. Et donc, bah voilà, c'est assez particulier parce que du coup, les gens n'auront pas du tout la même chose à l'esprit quand vous leur parlez de théorème de Thalès, que ce soit en anglais ou en français. Mais c'est comme ça, c'est pas le seul exemple. Il y a aussi le terme de Cauchy-Lipschitz qui donne l'existence et unicité de solutions d'équations différentielles, qui est connu en anglais sous le nom de Picard-Lindelöf. Donc en fait, il y a une tendance générale en fait, pour la nomenclature française versus le reste du monde, et c'est que les Français auront tendance à préférer leurs mathématiciens. De manière générale. Donc, il y a la décomposition de Dunford, qui en anglais se connaît comme, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est le truc en algèbre linéaire, avec les trucs nilpotents et tout ça. Ce n'est pas important, mais... il y a aussi... qui en anglais se connaît comme le Jordan Chevalley Decomposition. Donc ça, c'est l'exception qui confirme la règle, hein, quand même, parce que Dunford, c'est un anglais, et puis Chevalley, bien sûr, c'est un français. Donc, pas savoir. Il y a aussi bien sûr ce qu'on connaît comme la relation de Chasles pour l'addition de vecteurs. Mais en anglais, en fait, il n'y a pas vraiment de nom pour ça, sauf que c'est connu sous le segment addition postulate, mais il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de nomenclature précise pour ça. En tout cas, moi, quand je l'ai appris à l'école, ils n'ont jamais dit que ça avait un nom. Aussi, le théorème d'Al-Kashi, en fait, est connu sous le nom de Law of Cosines,
en anglais, mais pas seulement, parce que par exemple au Québec, bon, c'est sûrement dû à la proximité, encore une fois, des anglophones, mais on connaît ce théorème-là sous le nom de loi des cosinus. Ah, je ne sais pas si tout le monde voit c'est quoi la loi des... Enfin, ouais, okay, c'est bon. Et puis, bon, le prochain exemple, c'est un de mes préférés quand même. Donc, le théorème des gendarmes, parce qu'en fait, on dirait que tout le monde a une certaine vision de c'est quoi être. Voilà. Donc, les Français vont avoir tendance à dire le théorème des gendarmes. En anglais, on dit plutôt squeeze theorem. Et en espagnol, on l'appelle el teorema del sandwich. Eh oui, bah écoute, c'est comme ça. En fait, ce théorème-là, il porte plusieurs noms. C'est même pas une liste exhaustive. Il y en a. Enfin, imaginez-vous tout ce qui est comme ça, et je pense que vous allez trouver. Enfin, franchement, si jamais. Il y a une liste sur Wikipédia, hein, de synonymes pour ce théorème-là. Et enfin, donc le dernier exemple que je voulais aborder, c'est le théorème de Borel-Lebesgue, donc qui est en anglais, et le théorème de Heine-Borel. Donc, encore une fois, on prend Lebesgue plutôt que Heine. Alors, pour revenir encore une fois à la méthode de calcul, donc on a vu l'exemple tout à l'heure de la division euclidienne, mais ce n'est pas le seul exemple. En fait, il y a aussi la manière dont on apprend à calculer le produit vectoriel. Alors, ne me demandez pas de le faire à la méthode française parce que j'y arriverai pas. Moi, ce que j'ai appris, en tout cas dans l'école plutôt anglaise, c'est cette méthode-là, alors qui peut paraître un peu sauvage. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu cette méthode ici. Si vous l'avez vu, levez la main. Ok, donc en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique brièvement c'est quoi l'idée. L'idée, c'est que vous prenez ijk, sont les vecteurs unités dans le sens des x, y et z respectivement. Vous mettez ça en haut comme une convention de notation. Alors, c'est un abus de notation. C'est pas grave, on va dire. Et puis après, vous notez les coordonnées des vecteurs en bas et vous en prenez le déterminant. Et du coup, comme ça, vous arrivez à calculer les composantes du produit vectoriel en question. Alors, il y a aussi, bien sûr, pour prendre le déterminant, il y a plusieurs techniques. Alors, moi, je ne sais pas c'est laquelle est votre préférée. Moi, celle que j'ai appris, donc celle que je préfère par défaut, c'est celle en haut, donc celle où vous décomposez le déterminant par mineur et vous calculez successivement comme ça. En revanche, si c'est un déterminant 3 fois 3, il y a aussi l'autre méthode qui consiste à dédoubler en quelque sorte la matrice et puis ensuite d'appliquer la méthode de Sarrus. Alors, drôle de fait, c'est que comme un déterminant... Le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa matrice transposée. En fait, vous pouvez faire ce dédoublement en haut, pas vers le bas, ou vous pouvez le faire vers le côté sans que ça change le résultat. Alors, donc enfin, mais ce n'est pas que la notation et les méthodes algorithmiques qui sont différentes, bien qu'on a vu plus ou moins que ça a tendance à structurer un peu la manière de penser. Mais c'est aussi les écoles de pensée et la méthode rédactionnelle de chaque culture qui peut avoir une influence assez importante et assez particulière sur la culture des mathématiques. Alors, il y a une citation assez controversée de mathématicien russe qui s'appelle Arnold, qui a vécu longtemps en France d'ailleurs, qui est la suivante. To the question, what is 2 plus 3? A French primary school pupil replied, 3 plus 2 since addition is commutative. He did not know what the sum was equal to and could not even understand what he was asked about. And another French pupil, quite rational in my opinion, defined mathematics as follows: there is a square, but that still has to be proved. Et donc en fait, ce que Arnold est en train de dire de manière un peu subtile dans cette citation, c'est une référence au fait qu'en France, on a tendance à prendre un peu les mathématiques de manière très axiomatique et structurelle. Ce qui n'est pas nécessairement le cas partout ailleurs. Et en fait, il s'attaque beaucoup, enfin Arnold c'est un cas particulier, mais sur ce point je trouve qu'il a peut-être un peu raison, c'est qu'on a tendance à enseigner les mathématiques de manière très axiomatique, alors que dans les faits, quand vous faites des mathématiques en
dans la vraie vie, si vous voulez, vous allez plutôt avoir tendance à faire un peu ce qu'on appelle des mathématiques expérimentales, pour essayer de voir si le résultat que vous voulez prouver est vrai. Alors, donc c'est une manière de voir les choses. Donc, il faut quand même aller au bout de cette pensée et comprendre un peu d'où vient exactement cette tendance française, parce qu'il faut quand même dire que l'école française n'a pas toujours été ainsi. En fait, si vous retournez même au début du siècle, du XXe siècle, les mathématiques françaises étaient aussi dans le style plutôt dit expérimental, entre guillemets, où on ne cherchait pas à décrire les choses de manière systématiquement axiomatique. Pardon. Alors, d'où est-ce que ça vient? En fait, c'est de Bourbaki. Donc Bourbaki, qui a été un groupe de travail de mathématiciens très célèbres à la moitié du XXe siècle, qui visait à trouver la structure commune à certaines parties des mathématiques et qui a été un groupe très influent dans la sociologie, mais aussi dans l'histoire des mathématiques françaises finalement. La particularité de Bourbaki, c'est que la méthode de pensée de certains mathématiciens en particulier, donc il y avait une poignée de mathématiciens très influents qui ont influé beaucoup sur la manière dont la rédaction de Bourbaki a été faite. À racine de ça, en fait, il y a eu des manuels scolaires qui ont été produits, alors scolaires au niveau universitaire, hein, mais aussi. Donc, c'était pas seulement un problème de ça, c'était un problème de. Parce qu'en fait, du fait de l'influence de ces mathématiciens, on a aussi, ils ont aussi pu choisir en quelque sorte et donner un point de vue privilégié à les mathématiques qu'ils considéraient être intéressantes. Donc, par exemple, Bourbaki ne s'est jamais attaqué à la formalisation de la théorie des probabilités. Ils ont explicitement exclu la théorie des probabilités de leur étude, et ça, c'était par choix. Certains mathématiciens pourraient, qui font partie du groupe Bourbaki, alors ça commence à changer maintenant, hein, certains mathématiciens de l'époque pourraient justifier ce choix d'une manière ou d'une autre, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Mais bref, il en est moins que donc ces mathématiciens très influents de l'époque ont produit ces travaux qui, à leur tour, ont influé une génération entière de mathématiciens. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à considérer les mathématiques comme étant un système formel dans lequel il faut regarder les mathématiques comme définition, proposition, théorème, preuve. Et donc. Finalement, en fait, c'est à partir de ces éléments de Bourbaki qui permettent d'expliquer beaucoup des particularités françaises. En outre, le fait que la compacité soit considérée comme elle est considérée en français provient justement de ce mouvement Bourbaki qui a défini la compacité comme étant un espace séparé. Pourquoi? Parce que, en fait, il se trouve que cette définition est particulièrement pratique dans la géométrie algébrique, pas que, mais entre autres. Et beaucoup des mathématiciens très influents de l'époque qui ont contribué au mouvement Bourbaki provenaient justement de la géométrie algébrique. Ce n'est pas un lien de causalité, mais voilà. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on remarque encore que les méthodes rédactionnelles des mathématiciens français sont très axées sur la méthode bourbakiste. En préparant cet exposé, j'ai un peu parlé à mon superviseur, donc Pierre Pansu. Qui m'a raconté une anecdote comme quoi, une fois, il avait écrit un papier alors qu'il avait présenté, dont il avait présenté les résultats en Finlande. Et il avait donné un exposé, ils avaient bien aimé. Donc, il avait décidé de rédiger son papier. Il l'avait soumis à un journal finlandais. Et puis, le journal finlandais lui a rétorqué, ben, voyons, on dirait que vous avez écrit le manuel de Bourbaki. Alors qu'en fait, il n'était pas vraiment conscient de l'influence que l'école Bourbaki avait pu avoir sur lui. Jusqu'à ce moment-là. Bourbaki permet d'expliquer beaucoup, et c'est quelque chose d'intéressant de s'intéresser un peu à l'historique et à la sociologie qu'a pu avoir ce mouvement sur l'ensemble des mathématiques françaises. Pardon. Et enfin, je souhaite un peu ma. Donc, j'ai un peu parlé de la raison pour laquelle la France est assez particulière de ce point de vue-là. Mais en fait, ce n'est pas les seules caractéristiques qui sont propres
Enfin, il y a plusieurs trucs qui sont particuliers à certains pays. Donc, en France, justement, du fait d'avoir eu ce mouvement Bourbaki, on a une manière de voir les choses beaucoup plus axiomatique, donc formelle, et s'attaquer au problème comme ça. Ce n'est pas vraiment le cas dans d'autres pays, ou en tout cas moins, ça dépend des domaines, ça dépend des mathématiciens, mais en tout cas la méthode rédactionnelle a tendance à varier. Enfin, là, je vais dire des généralités qui, donc, du coup, sont forcément fausses dans des cas particuliers. Néanmoins, dans mon expérience, par exemple, dans l'école russe, ou en tout cas dans les gros papiers importants de mathématiciens russes, on va trouver le fait que s'appuyer sur un exemple pour démontrer quelque chose de général est en fait une sorte de continuation naturelle. Donc, on va d'abord étudier le cas simple. En étudier la démo, pardon, par exemple, je sais pas, vous voulez prouver un théorème de géométrie, vous le prouvez pour la sphère, et puis ensuite vous voyez qu'en fait cette preuve-là se généralise facilement à des cas plus généraux, et vous allez rédiger votre papier en étudiant d'abord la sphère, et puis voilà. Tandis que les Français auraient fait l'inverse. Ils auraient d'abord écrit le cas général, et puis ensuite, cas particulier, la sphère. Tout ça mène à une certaine manière de penser qui est très inconsciente. Mais qui peut avoir des répercussions sur la manière de comprendre les mathématiques dans son ensemble. Alors les Américains, quant à eux, sont assez particuliers du fait qu'ils ont eu une très grosse vague d'immigration après la Deuxième Guerre mondiale en raison de la guerre. Eux, c'est un peu, on trouve tous les styles, hein, on y trouve de tout, et en quelque sorte, c'est un peu le compromis entre les styles différents des écoles européennes et puis de l'école américaine aussi. Déjà présentes au début du siècle. Et puis enfin, il y a les Japonais, qui ont des tendances rédactionnelles comme ça. Mais ce que je souhaitais dire à propos des Japonais, c'est qu'ils vont avoir tendance à ne pas avoir peur de faire des très gros calculs, très difficiles, très voilà. Ils n'ont pas peur de se salir les mains, si vous voulez. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans l'école européenne, voire même les Américains. C'est un peu particulier parce qu'ils font un peu les deux. Mais les Japonais, ils n'ont pas du tout peur, de s'attaquer à des problèmes, qui peuvent être fastidieux. Et puis, enfin, je souhaitais vous raconter quelques anecdotes rapidement sur certains mathématiciens célèbres. Donc, par exemple, concernant les méthodes rédactionnelles, je pense que l'exemple de Gromov est assez particulier, donc Gromov que vous voyez ici. Donc Gromov est un mathématicien très célèbre qui a travaillé dans beaucoup de domaines, mais entre autres en géométrie. C'est un mathématicien qui est assez particulier parce que il est russe. Et en fait, il a très tôt su qu'il voulait partir de l'Union soviétique. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il a essayé de tout mettre en œuvre pour partir. Et donc, pendant un certain temps, bien sûr, Gromov étant un grand mathématicien, les Russes savaient qu'il était un grand mathématicien. Et donc, il ne voulait pas le laisser partir de l'Union soviétique. Il ne voulait pas lui donner un visa pour lui permettre de partir. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de continuer à produire des mathématiques, mais ne jamais publier. Bien sûr, si vous ne publiez pas au bout d'un certain temps, on va considérer que bon, vous n'êtes pas très utile ou que voilà. Il n'a pas publié des papiers pendant 5 ans, mais en fait, tout ce qu'il avait. Il a quand même rédigé ses mathématiques, c'est juste qu'il n'a jamais publié. Mais en revanche, son style rédactionnel, parce qu'une fois qu'il est sorti d'Union soviétique, presque immédiatement, en fait, il a publié la série de papiers qu'il n'avait pas publié pendant 5 ans, mais du coup, qu'il avait eu le temps d'écrire de manière très concise. Et de ce fait, en fait, ces papiers sont extrêmement difficiles à lire parce qu'ils sont extrêmement condensés. Et donc, c'est des papiers de 20 pages qui, en réalité, devraient être des papiers de 200 pages. De ce fait, mais c'est juste parce que, justement, il n'a pas publié. Donc, pendant tout ce temps-là, il a contracté, 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 jusqu'à temps à ce qu'il a produit quelques papiers comme ça. Et puis, il vient un temps où Gromov, qui est d'abord allé aux États-Unis, puis ensuite il est venu en France, a décidé de manière consciente de changer sa méthode rédactionnelle. Il a décidé de le faire. Il a complètement changé sa méthode. Et puis maintenant, il écrit
des articles qui font de l'ordre de 200 pages et qui ne sont pas nécessairement faciles non plus, hein, soit dit en passant. Enfin, la dernière petite anecdote assez marrante que je voulais vous partager, ça concerne ce qu'on appelle les Martiens. Alors, les Martiens, c'est un groupe de mathématiciens hongrois qui ont immigré vers les États-Unis dans les années 30, voire 40. Et donc, en fait, la particularité, c'est parce qu'ils étaient vraiment forts. C'était probablement parmi les gens les plus brillants du XXe siècle, on y trouve certainement ces gens-là. Ils étaient extrêmement brillants, ils parlaient une langue que personne ne comprenait, et ils avaient un accent très fort en anglais. Et donc, en fait, il vint un temps où c'était une blague entre eux qu'ils se faisaient appeler des Martiens, et puis il y a un jour où Léo Szilard était en train de parler avec un autre mathématicien, et puis l'autre mathématicien lui dit « Mais comment tu expliques que la vie extraterrestre, si elle existe, n'a pas encore été découverte ?» Et là, elle lui dit « Bah si, c'est juste qu'ils sont déjà parmi nous et ils s'appellent les Hongrois. » Et donc du coup, c'est resté comme une blague de ce fait-là. Pour revenir à la langue en soi, ce qui était particulier, en fait, et j'ai toujours voulu essayer de comprendre ça de manière plus profonde, mais il y avait quelque chose de particulier dans l'atmosphère de l'école hongroise au début du XXe siècle, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de très, très bons mathématiciens qui ont surgi de Hongrie, alors que, de fait, c'était un petit pays, quoi. C'était vraiment des mathématiciens absolument exceptionnels. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et c'est tout pour moi. So now I'll do the proof in English. So basically, I was talking about the fact that you want to prove Leibniz's rule, or like not prove it, but at least to kind of understand intuitively why it should be true. So Leibniz's rule, for those who don't remember, is written in the board. And essentially, you can very quickly convince yourself that this formula should be true for, you know, infinitesimal du and dv. And the reason for this is simply, well, you draw the square, or rather the rectangle. And then, of course, you want to know how this varies when you add a tiny little sliver of area. So you see that you're perturbing a little bit u and a little bit v. And so since du and dv are infinitesimally small, of course, du times dv is negligible with respect to the formula on the board. And so it follows that the formula on the board is correct. Intuitively. Está hablando de la regla de Leibniz y porque es verdad, entonces ahí está escrita para los que no se acuerdan de la regla. La idea es que dibujan un cuadrado o un rectángulo que tiene lados U y V y después perturban un poco este rectángulo para volverlo un poco más grande y ver cómo el área cambia. Y en ese caso, uno se puede convencer fácilmente de que la fórmula es válida porque simplemente mirando la foto o el dibujo, es claro de que la fórmula de arriba es lo que es la correcta. Voilà.